Are you in for the next Morocco Desert Challenge? Quatrième journée un peu délicate pour Axel. Bon, il a cassé, hein, il a eu un gros souci mécanique, mais je pense qu'il y reviendra et il en parlera aussi également. Et ça soulève un truc intéressant, c'est que du coup on doit prendre en considération ça. Son résultat de la journée va influencer un petit peu sur notre séance. Il faut que je le prenne en considération, moi en tout cas dans ma prise en charge. Mais en tout cas même dans ce genre de petits moments un peu délicats, je suis vraiment content d'être là, d'être avec lui, de faire de la kiné avec lui. C'est un super beau projet qu'il a. Et je suis fier de finalement en faire partie aussi, donc c'est quelque chose de très chouette et qui m'apporte aussi beaucoup. Donc voilà, je pense que lui de son côté il parlera plus mécanique aujourd'hui avec vous. C'est pas terminé, hein. On est au quatrième jour, il reste encore 4 courses et je pense vraiment qu'il va nous faire voir de quoi il est capable. Étape compliquée aujourd'hui avec une casse au niveau du refroidissement de boîte, donc au 30e kilomètre dès le début. Hein. Au bout d'un moment, je dis à mon copilote, à François, je lui ai dit écoute, ça sent vraiment chaud. Et là, on a commencé à voir les voyants du tableau de bord qui s'allument. Et on a vu tout de suite que la température de boîte montait excessivement. Du coup, on s'est arrêté, on a regardé et là, on a tout de suite compris que c'était foutu, que c'était mort. On a décidé d'abandonner pour cette étape en voulant ramener au plus vite la voiture au bivouac pour la réparer parce que il y a beaucoup de boulot. Donc ça nous a permis de pouvoir encore rouler sans huile quelques dizaines de kilomètres pour rallier une route et retrouver le camion d'assistance pour revenir par la route jusqu'au bivouac de ce soir. Là, les mécaniciens ont pas mal de boulot, ils vont pouvoir réparer, on pourra repartir demain. Demain, une nouvelle étape qui, je pense, va me plaire, une étape de dune. Je suis très déçu d'avoir cassé aujourd'hui parce que on pouvait sincèrement revenir au classement général et faire quelque chose d'intéressant, surtout avec la bonne étape, mes étapes fétiches qui arrivaient. Mais voilà, la mécanique en a décidé autrement et c'est le jeu du rallye et voilà, il y a des choses à changer, à améliorer. C'est que le premier, donc voilà, je suis là avant tout pour me faire plaisir. Et on avance et on se fait plaisir avec François, donc c'est que du bonheur.